Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce quatrième épisode de Let's Play sur Epic Battle Fantasy V. Alors, on va continuer. On a fait quoi ici dernièrement? Oui, on avait été jusqu'à l'avant-poste. Eh bien, on va continuer. Mince. Voilà, et on y va. Il y a quelques magasins près d'ici, non? Je propose de faire le plein d'objets de soins s'il nous en manque, et d'en profiter pour améliorer notre équipement. Oh, et pense à prendre de la nourriture pour pas de pattes. Miaou, miaou, miaou. Comment ça? Tu serais pas en train de dire qu'elle fait une meilleure meneuse que moi? Tu penses déjà à me trahir, pas de pattes? Me fais pas regretter de pas t'avoir passé à la casserole. Quelle horrible façon de s'adresser à son chat. Tu n'as pas le droit de traiter Pat-Pat de la sorte. Oh, elle pète un câble. C'était juste une blague, hein, pas de patte. Ok, bon, allez, combat. Oh, regardez un lapin gluant. Il pourrait nous soigner, mais il pourrait aussi soigner les ennemis. Alors, donc. Tout d'abord, nous allons scanner. Ensuite, on va attaquer. Ok. D'accord, il nous soigne nous. On va prendre directement Nathalie et taper au bâton. Pat-Pat, tu vas capturer le lapin gluant. Et toi, tu termines. Ouah, c'est un gros! Ok, donc on scanne. Oui, d'accord. Alors, sensible à la glace, au vent et au plasma et aux ténèbres, même chose. On est parti. Frappe soupirée. N'est-ce pas bon parfois de régler les choses sans effusion de sang? Je suis sûr que la plupart de nos ennemis déserteront si nous leur en laissons la chance. Très bien. Allez, compétences. Ok, ici. Là, on termine. Voilà. Ah, raté. Zut. Bon, est-ce que je peux l'affaiblir d'une façon ou d'une autre? Instant, on regarde pas ça, on regarde pas de patte. Non, j'ai quand même. Allez.
Bon, Nathalie, tu tapes. Allez. Dommage. Ça ne suffit toujours pas. Peut-être qu'appliquer plus d'altérations d'état pourrait marcher. Capturer des ennemis n'implique pas tant de hasard, donc on doit se tromper quelque part. Je voudrais bien, mais il y a déjà pas mal d'altérations, là. Allez. Trop en forme pour être capturé, mais quelques blessures de plus et on risque de l'achever. On est supposé faire quoi, du coup? Utiliser des trucs comme des malus? Toi, tu vas te soigner. On l'affaiblit encore et maintenant on essaye. Allez. Bon, bah on va l'achever. Ils sont de plus en plus gros, je déteste tellement les gluants. Très bien. Alors, avant de continuer, on vient ici. Ah, coffre. Trésor trouvé, très bien. Non, il n'y avait rien d'autre. C'est parti. Ah zut, j'aurais dû... ouais, tant pis. Non, coque tactique, on va fuir. Voilà. Compétences. On va voir un peu pour les compétences bonus. Déchaînement, c'est que du dégât. Larcin, c'est pas du dégât, mais c'est juste voler quelque chose. C'est assez sympa, la vengeance. Ok. Bon, carapace, je peux pas l'améliorer. On va améliorer Geyser. C'est tout. Nathalie, spectre des magies avancées qui frappe avec une seule cible, dépend de l'arme équipée. Mutisme, réduit un ennemi au silence, l'empêchant d'utiliser presque ou toutes ses attaques magiques. Ça peut être sympa. Soigne tous les alliés, leur donne le bienfait à l'eau et ressuscite les alliés morts, mais longtemps à se recharger. Se recharge après 10 tours. Oui, ça pourrait être intéressant. Ok, bon, ben, on n'a pas plus. Parfait. Miaou. Ok, on s'occupe du deuxième. Très bien. Toi, tu vas juste taper ça. Je vais garder le limit break de Nathalie pour plus tard. Là, ,93, je peux pas mieux. Nathalie, tu vas utiliser encore mutisme. Une cible réduite au silence ne peut plus utiliser magie. L'utilité dépend donc de la cible. Certains monstres ne peuvent plus rien faire après ça. Et on va essayer de capturer. Si ça ne marche pas, après 2-3 coups. Ok, bah c'est bon. C'est super, maintenant on peut terminer
Ok, alors ici. Ce bloc de pierre me paraît grand, mais contre toute attente, il est en fait assez léger. Même pas de patte pourrait le pousser. On n'a qu'à simplement le pousser du chemin et continuer vers le sud. Voilà. Ok, y a rien. On peut aller par là. Ok, ce truc près de la caverne, c'est carrément un boss. Ouais, c'est la caverne de glace. Jetons d'abord un coup d'œil aux environs avant de foncer dans le tas. Ce crétin de cyclope est sorti de nulle part et bloque l'entrée de ma grotte. Si vous comptez vous le faire, méfiez-vous, il va falloir être endurant. Soyez sûr d'être préparé, et si vous vous rendez compte que ça ne suffit pas, vous pouvez toujours fuir un combat et réessayer avec une autre armure, par exemple. Matt, Pat, vous devriez vraiment écouter ce qu'il dit. Foncer dans le tas comme des bourrins ne marche pas toujours. Parfois, il vaut mieux s'arrêter et établir une stratégie. Pfff, comme si j'allais me défiler devant un ennemi. Je fuirai jamais. Il n'y a aucune honte à préférer reprendre le combat un autre jour. En fait, il n'y a absolument aucune pénalité pour ça. C'est grâce à ça que nous sommes encore en vie. J'ai voulu chasser la grosse bestiole là-bas, mais elle m'a complètement écrasé. Ma petite fille avait peut-être raison, j'aurais dû apporter plus de café. Ça me fait penser, c'est peut-être le moment de vérifier nos compétences disponibles et s'assurer qu'on a bien amélioré ce qu'on voulait. Au moins j'avais un lapin gluant dans ce seau, ça m'a déjà sauvé plusieurs fois la vie. Ah, et un dernier truc, je vous assure que les boss ne cesseront jamais d'invoquer de renfort. Ils ont toujours plus de larbins pour remplacer ceux que vous tuez. Ok. Donc, voilà. Et petit combat ici. Donc, on va scanner. Très bien, toi ici. Le vent, c'est pas bon. L'eau, c'est pas bon. Le reste, ça va. Avec une préférence avec la foudre. Alors, on va garder les limites. Nathalie, tu vas juste taper un petit coup normal. Et Pat, tu vas essayer de capturer. Très bien. Très bien, Matt aussi, ton limit break. Alors la glace c'est bien. On va garder les limites break pour le boss. Hein. Là la foudre c'est pas bon. La glace c'est bien. Le plasma c'est bien. Le plasma et l'eau c'est bien. Et bien. Très bien. Attention en haut. Donc toi, voilà, toi, un en moins, et toi, voilà. La glace, le plasma, ou sinon en neutre, le gel sacré et les ténèbres. On va essayer une fois frappe de l'ombre. Souhaite le malheur de ses ennemis. Voilà.
Petit niveau en plus. On récupère des objets. On soigne. On va une fois voir pas les compétences, pas les invocations, mais les équipements. Enfin, d'abord, la forge. Je peux pas, ça je peux. Ok, alors. Très bien. Qu'est-ce que ça fait? Résistance 30% au plasma et 60% à la confusion. Ici j'ai quoi? 20% au poison et 40% à la paralysie et à la mort. Quelque chose comme ça. Ok. Il n'y en a rien d'autre. Ok. Il n'y a plus qu'à. Petite sauvegarde au cas où. Et on est parti. Ah, il y avait un... Bon, c'est pas grave. Cyclope de dos maintenant. Singe partir maison ou devenir peinture rouge pour caverne. Je crois que les SP correspondent à nos points d'invocation. C'est ça dont on a besoin pour invoquer des ennemis au combat. Et on semble en obtenir en tuant d'autres ennemis. Je trouve ça un peu idiot. Ok, alors on va d'abord scanner. Quoique on n'a pas de patte qui n'est pas encore en limite. Donc on l'utilise. On vérifie. De la glace, c'est très bien. Eh bien, Matt, tu vas faire ta limite. Boucherie. Ah mince, t'es en élément eau, t'es pas en élément glace. Bon, allez. Bah, l'eau, c'est très bien. C'est parti. Il a obtenu un 4 dégâts. Voilà, ça c'est pour ça que je t'ai embauché. Écrase-les tous à ma place. Très bien, on n'utilise pas la limite de Nathalie pour l'instant. Ça c'est du travail d'équipe, pourquoi on n'essaierait pas de s'assembler comme ça pour attaquer? Cyclope enfonce ces petits hommes babouins dans le sol. C'est un gros, mais pas un intello. On doit juste réagir rapidement à ces attaques. Ouais. On va tout de suite taper. Avec quoi Cyclope parle-t-il s'il n'a pas de bouche? Ah, je sais avec quoi. Ça explique pourquoi il dit de la merde. On n'est pas des macaques, gorilles débiles. Cyclope est champion. Singes peuvent pas battre. Manger point et mourir. Bon, il sera temps de passer au limit break. 7ème ciel. Soigne tous les alliés et retire leur altération d'état et booste leur attaque, attaque magique, défense et défense magique. Inclut les joueurs en réserve, donne le statut adorable à Nathalie. Ah. Ah oui. C'est juste une illusion. Vous pouvez arrêter de me reluquer, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi dépravé en plein combat. C'était sympa. Bon. Donc on s'occupe pas du petit. On dirait qu'il est gravement blessé. Il va commencer à cogner plus fort, mais la victoire est proche. Et toi? Ah, malheur. La chance est réduite pour les altérations d'état, les coups critiques, la précision et la capture de monstres précipitent la condamnation. Il va pas tarder à casser sa pipe, finissons-le! Os de singe, croquant et bon, faire bon beurre pour toast pierre. Très bien.
Pourquoi chimpanzé stupide, pas cassé? Cyclope pas tapé assez fort? Je me demande ce que cet ennemi ressent. Il est vraiment heureux de bosser pour nous maintenant? Ou il attend juste la moindre opportunité pour s'échapper? Mais allez, on termine. Cyclope mourir, beaucoup regret. Ok, et toi, on termine. Un raté. Voilà un bon petit ennemi, tu n'as pas à mourir ici aujourd'hui, retourne donc auprès des tiens. Ok. Yeah, on a réussi. J'étais inquiète au début, mais nous lui avons montré qui c'est le boss. Je trouve qu'on pallie très bien chacune de nos faiblesses. On fait une belle équipe. Moi, je t'aime juste avec mon épée. Je suis content que t'arrives à gérer tout le reste. Apprends à reconnaître ta valeur. Tu es curieux et tu ne te laisses pas abattre. C'est une vraie force lors de combats de ce genre. Il arrêtait pas de me frapper, mais je voulais tellement gagner que j'ai préféré encaisser pour continuer à me battre. Parfois, la douleur s'accumule avec ma colère et me rend plus fort. Je sers enfin à quelque chose. Est-ce que j'ai trouvé un but à ma vie? Miaou, miaou. Ce n'est pas ce que tu crois. Et bien sûr que nous ne t'avons pas oublié, Pat-Pat. Tu t'es battu vaillamment, toi aussi. D'accord. Alors, il y a... Trésor trouvé. Et là, on a... Ok, égonomie de gré, rampant l'ermite. Rampant l'ermite, on n'a pas encore récupéré. Bon, d'abord. Toi. Très bien. Parfait. On le termine. Je pourrais t'épargner l'ennemi si tu te rends maintenant. Ne gâche pas ta vie. Alors, de la terre du poison. Puissance 30, puissance 40, allez. Oh. Donc on avait dit terre poison sacrée. Très bien. Bon, une attaque normale ici. Trempé 0. Ok. Aïe. Tant pis. Ok. D'accord. Ah ouais, tiens, il est parti. Ok. Ouais, on vit dans cette grotte, et alors? On vous laisse traverser uniquement parce que vous avez tué Cyclope. Autrement, c'est chez nous, et vous avez intérêt à se respecter ça. Je m'assure que mes alliés ne causeront pas de tort. Leurs mains ont tendance à aller là où elles ne devraient pas. Pff, ne dis pas ce que je dois faire, et Pat-Pat n'a même pas de main. Nya nya nya. Oh, désolé Pat-Pat, je ne voulais pas me moquer de toi. Nya. Alors, ok, ah, d'accord. Miaou. Ouais, la glace est glissante. Marcher dessus en utilisant le clavier pourrait être plus intuitif. Mais je devrais arrêter de te donner des conseils sur la façon de jouer. Je pense que tu commences à bien cerner le jeu maintenant. À qui parle-t-il? Quelqu'un nous observe? Grotte meilleure maison. Personne vouloir la voler. Sauf monstre. Monstre à les brûler en enfer. Manger leurs os pour dîner. Je suis d'accord, c'est bon les monstres. Sauf les gluants. Eux, ils me rendent malade. Et...
Je mange des piments pour me réchauffer, mais c'est pas si ça marche. J'ai chaud, c'est sûr, mais je crois aussi que je vais mourir. Et tu voudrais pas en partager avec nous? Pas moyen. Les piments sont super rares, je les garde pour les urgences comme celle-ci. Ah ben voilà, un piment. Merci. Médaille obtenue, roi de la glisse. Attends, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Depuis qu'on fait équipe, j'ai cet étrange sentiment de déjà-vu. On ne se serait pas déjà rencontrés? Ou alors ce sont les images d'un rêve qui me reviendraient en tête? Maintenant que tu le dis, ça commence à ressembler à l'un des RPG auxquels j'ai joué, ouais. C'est un stéréotype fréquent, un mec rencontre une nana par un drôle de concours de circonstances et ils se mettent à voyager ensemble. Non, tu m'as mal comprise. Je ne parle pas de jeux vidéo. Bon, laisse tomber. Ok. Alors, on va tout scanner. Qu'est-ce que c'est? Minerai désir con. Un minuscule morceau de pierre magique. Alors, sensible au vent et au plasma, d'accord. Et ici, visque frigide. Sensible au plasma et au sacré. Ok. Bon. Compétence vent. Sur ça. Toi, je vais te capturer. Très bien. Qu'est-ce qui a enchanté? Insensible aux dégâts magiques, mais les dégâts physiques sont doublés. Sensible sacré, celui qui n'est pas enchanté, ce sera le mieux de tout. Bizarrement, mon amour pour les épées m'a donné l'aptitude de créer des lames à partir de rien. C'est à ça que ressemble la magie. Eh bien... non, je vais faire compétence. Estoc sacré. Très bien. Et on va en capturer un des deux. Voilà. Et le troisième s'en va. Enfin. D'accord. Allez, on se fait encore celui-là. Donc ici c'est toujours vent et plasma et feu aussi. Donc ici on va faire feu. Voilà. Les sorts de feu marchent surtout sur les ennemis de glace, les plantes et les animaux. Ok. Donc là, on va devoir scanner. Qu'est-ce qu'il raconte? Aurillard des neiges. Sensible à la foudre. Et seulement à la foudre. Ok. Frappe du tonnerre. On est parti. En général, les sorts foudre sont particulièrement efficaces sur les ennemis aquatiques, volants ou robotiques. D'accord. Et voilà, attrapé. Parfait, on prend le coffre. Et puis on recule. Voilà. Et là, on va s'arrêter là.
petite sauvegarde. Et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.